Parce que nous sommes heureux de la recevoir. Annie, donc bonjour. On est content de te retrouver à plusieurs titres. D'abord pour tout le monde parce que tu es une chorégraphe et une danseuse émérite. Mais ensuite, nous, tu nous rappelles un souvenir personnel puisque nous étions au week-end de Cricri à Saint-Genis-des-Fontaines où tu nous avais enseigné plusieurs danses, mais dont une m'avait tracassé longtemps. C'était Celtic Tribute. Oui. Parce qu'elle n'était pas si facile. De Maggie. Et là, on a connu ta façon d'enseigner et toujours dans la bonne humeur et avec de l'humour. Voilà. Et donc on a suivi un peu ton parcours et on ne t'a jamais oublié, réellement. Alors bah, écoute, nous tu sais qu'on manage cette web radio, Gérard et moi, et donc... que j'écoute d'ailleurs régulièrement. Ah, ça c'est une bonne chose. Ah oui, bien sûr, j'écoute. Je mets pas beaucoup... En fait, vous savez que j'ai pas accès sur certains forums. Oui. J'ai des censures. Et donc je peux pas mettre les commentaires quand j'en vois, mais je vous écoute. Bien. Et tu écoutes notre accent, ne te gêne pas trop. Non, dans mes montagnes enneigées, en plus mon bureau est en face du Mont Blanc. Oh, la chance. Et j'ai un accent méridional là du sud qui m'arrive et qui me réchauffe le cœur. S'il y a du soleil sur les cimes et dans la radio, ok. De toute façon, on ne le changera plus. Non, non, non. Alors moi, j'aimerais savoir quand même comment tu es arrivée à la danse. Ton parcours, si tu veux, de ton enfance, je suppose, de ta culture, de ton éducation. En fait, non, pas du tout. Mon père refuse encore que je sois danseuse. Et je voulais faire du patinage artistique. Et mon père m'a interdit de faire du patinage artistique parce qu'on avait une cliente qui en faisait à un haut niveau de compétition. Et qui, lors d'une compétition, avait reçu un coup de patin dans le genou et avait été handicapée. Donc, venait au magasin de coiffure, mon père est coiffeur, avec un déambulateur. Et ça l'avait traumatisé. Il me dit, non, ma fille, tu ne feras pas patinage. Et j'ai dit, bon, je ferai de la danse. Et le malheur, c'est que j'ai croqué à la danse. C'est un bonheur, tu veux dire. Je suppose. Le malheur pour mon père. Oui, uniquement. Pour mon père, c'était une catastrophe. Ni pour toi, ni pour nous. Ah ben non, moi, c'était juste, j'ai découvert la danse classique. Toute la rigueur, ah, tout le... Oui. Donc, c'était... Base, ce sont mes bases.
Et j'avais une professeure extraordinaire, Paulette Cohenhoff, qui avait une très très bonne formation et qui nous a ouvert à tous les arts. Elle disait, pour interpréter le lac des cygnes, pour interpréter le répertoire, il fallait connaître l'histoire, la littérature, la peinture, tous les arts de cette époque-là. C'est une excellente pédagogue. Et elle nous a ouvert vraiment à tout ça. Et à partir de là, j'ai trouvé... Voilà, c'est mon côté artistique qui doit être ouvert à tout. Ça, je pense que c'est... Je lui dois beaucoup là-dessus. Et après, pour enseigner, il fallait avoir une autre discipline. Et j'ai fait ce qu'il y avait de la danse jazz. C'était la mode. Modern jazz. Modern jazz. Et je trouvais ça vulgaire. Ah oui ? Ah ! Moi, j'étais pas habituée. J'étais très, très classique. Tout était très carré. Et de devoir, comme ça, remuer les fesses, les hanches et tout. Et j'ai eu une autre prof extraordinaire qui venait de la danse africaine et qui était très libérée, mais en même temps qui nous a attirés, aspirés à la liberté d'expression sans gêne. Et grâce à elle, j'ai eu du plaisir à ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et alors, dans ton chemin, comment es-tu arrivée à la country et la new line? Parce qu'après, on va faire un peu la différence. D'accord. Entre les deux, si tu veux bien, vu par toi. Alors, la country, j'y suis arrivée par le square dance. Ah, j'ai vu ça. Je faisais du square dance. Oui. En fait, j'ai toujours aimé la musique country. Et un jour, j'ai vu du square et j'ai dit, mais on peut danser sur cette musique. Donc, je me suis intéressée à ce mode d'expression. J'aime beaucoup le square dance. Et du coup, j'ai fait du square dance, j'ai embarqué mon fils et on a fait du square. Et à ce moment-là... Ça devait être facile pour toi, entre autres. Oui, non pas que ce soit un art mineur, mais pour une danseuse telle que tu étais... Oui et non. Ça devait être à ta portée. Ce que j'aimais, c'était
la coordination du groupe. Voilà, mais c'est ça qui est difficile. C'est ça que j'aimais bien. Bien sûr. C'était aider ceux qui n'y arrivaient pas et puis danser ensemble. Quand tout le monde y arrivait bien, il y a une. C'est un vrai partage. Ouais. Ça, j'aimais beaucoup. On peut le faire tout seul. Ouais. Et à ce moment-là, naît la danse en ligne, dans les années 84, quand moi je fais du scolaire. C'était vraiment au début, là. Ah oui, vraiment au début. Et à ce moment-là, on apprend qu'il y a de la danse en ligne aux États-Unis. Et mon compagnon de l'époque, qui est décédé aujourd'hui, était suisse et australien. Et par son métier, il avait été en lien avec les États-Unis. Et donc, on part en Australie et on découvre la danse en ligne. Aux États-Unis, on découvre la danse en ligne. Et on ramène ça dans le square. Et les copines du square, en fait, il n'y avait que celles qui faisaient la pause, qui dansaient en ligne. Parce qu'ils disaient, mais c'est gnangnan. À côté des passes et de tout ce qu'on faisait, les autres buvaient leur tea. Et nous, on s'entraînait à faire des vines à droite, des vines à gauche, des claps, des trucs comme ça. C'était Electric Slide. Oui, la première que nous avons apprise. C'était Electric Slide. C'était... Mais on ne disait même pas les termes justes. Le vocabulaire s'est fait. Parce que même aux États-Unis, dans chaque région, il y avait un vocabulaire. Et un jour... Il y avait Shania Twain à l'époque. Il y avait Shania Twain. Tu te souviens, Sky Bonne Cause. Oui, oui. Mais c'était encore avant. Et à ce moment-là, on a deux Canadiens qui viennent à Genève, Jacques et Louise, qui débarquent dans un coin où on leur a dit qu'on dansait, que danser au Canada. Jacques faisait de la radio, et Louise et Jacques dansaient au Canada. Donc ils arrivent, elle est engagée dans un organisme international, et elle dit « j'aimerais danser ». Donc elle arrive dans un, on va dire, notre honky-tonk à nous, qui était dans la montagne, il paraît que chez vous, on danse à country. Alors le patron, il prend le téléphone, il téléphone à mon amie Chantal, qui habitait à côté, qui était déjà couchée, qui lui dit, écoute, j'ai deux Canadiens qui aimeraient danser. Elle dit, pas de souci, j'arrive. Elle se rhabille, elle arrive. Et du coup, elle me téléphone le lendemain, elle me dit, écoute, Annie, ça c'était le jeudi, je crois. Elle me dit, demain, monte à Saint-Sergue, je vais te présenter ses amis canadiens et on va danser en ligne. Et en fait, ça a commencé comme ça. Vraiment, à Genève, la danse s'est développée grâce à Jacques et Louise. Donc nous, personnellement, on te remercie de t'être prêté si gentiment à cette interview et on espère te revoir très bientôt. Aurais-tu quelque chose ? Annie sur son site, oui, alors Annie a un site, c'est countrydancegeneva.com. DAV, c'est donc Danse Arvision.
Country Dance avec un C, Geneva tout attaché .com. Puis là-dedans, ben, vous avez mes chorés, mon agenda, on the road. Je suis allée, moi. Voilà. Je l'ai vu. Je suis tellement contente de rencontrer tout le monde et, alors, Annie, et de vous avoir revu parce que chaque fois on se voit à la sauvette. Alors, on va se faire une J'ai honte. Et donc, à une prochaine, ça c'est le miracle, tu vois, de la contrée. Oui, c'est magnifique. C'est quand même le miracle de la contrée. C'est magnifique. Voilà, ainsi se termine notre interview.